League. C'est... Oh, crash! Crash avec Yazukawa, je crois. Oula, une roue posée sur la voiture. Quelle image incroyable. Matsuura, non? Oui, Kosuke Matsuura. Yazukawa a abandonné tout à l'heure. Yazukawa, Matsuura. Excusez-moi. Quelle image incroyable. Quel au moment choc. Où Dan Weldon venait de dépasser, c'est très important ce dépassement. Est-ce qu'il était en tête au moment où les, où t'as toujours pareil, où le drapeau Bobby jaune et les lumières jaunes se sont allumées. Les deux propriétaires ici sont là, la maman de Danica Patrick. Qui était en tête au moment où les drapeaux jaunes se sont agités? On va voir. Ah, effectivement, parce que là, c'est très important. C'est fondamental. C'est la même histoire, mais sauf qu'on n'est pas dans le dernier tour. Regardez, qui était en tête? Oh là 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 là, c'est Weldon qui était en tête. Mais alors attention, c'est pas la règle normalement, c'est pas sur la ligne, hein. C'est quand les lumières s'allument, c'est les nouvelles règles depuis quelques années. Alors là, on a vu évidemment sur le passage sur la ligne, c'était Weldon, effectivement, de quelques centimètres. Alors on voit ce qui s'est passé pour Matsuura. Et il montait un peu haut. Ah oui, alors tout seul comme un grand, il a été brossé le mur, un peu trop fort. Et le pneu posé sur la voiture, ça c'est une image quand même. Le dépassement de Weldon. Ça sur la ligne, il n'y a pas de souci, l'anglais est bien devant, mais effectivement. Mais le drapeau jaune, les lumières se sont allumées apparemment avant leur passage sur la ligne. Alors qu'est-ce qui rentre en compte? On va écouter. On va essayer de voir ça. Mais on nous remontre ça. Ça, c'est les anciennes règles. Hein, je suis désolé. D'après ce qu'on a... On a un petit peu travaillé la course. Hein, et depuis quelques années, c'est quand les lumières...